j'ai pas fait de story depuis ce matin. On est à la maison là. J'ai continué mon trip. Moi, je suis dans la chambre de Lee Wayne. J'ai fait les petites caisses de sa chambre. Voilà. En fait, tous les jouets que je donne, c'est des jouets comme ça, quoi. C'est des trucs d'enfants et que mes enfants, ils ont plus besoin. Voilà, des livres mous. Elle est trop grande pour tout ça maintenant. Voilà, un bon tri de fait. Franchement, il y a une dizaine de sacs qui partent là. Ils vont venir pick-up dans 15 minutes. Avant, j'emmenais moi une association. Mais elle m'a dit qu'ils ne prenaient plus de jouets parce qu'ils étaient en train de changer d'endroit, etc. Donc, pour le déménagement. Du coup, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ils viennent les chercher. Donc, tant mieux, ça m'a vu de les emmener. Ah, je suis bien contente d'avoir fait ça. Vraiment, je suis très contente. Voilà. Il y a moins de jouets dans la maison. Il y a moins de choses qui servent à rien. Et voilà, j'aime pas avoir des choses qui servent à rien alors que ça peut être tellement utile pour d'autres. C'est pour ça que je garde rien, moi non plus. Je trie tout, je vire tout. J'ai des habits, des fois, moi, mon dress. Je vais me faire une bonne douche. Là, je vais descendre préparer à manger. Je vais les faire manger tôt parce que Liwen est super fatiguée ce matin. Elle fait que pleurer. Comme ça, je vais faire une sieste très tôt parce qu'ils sont d'anniversaire tous les deux cet après-midi. Donc voilà, donc je veux pas que Liwen soit fatiguée là, elle aime pas très très bien ce matin. Elle a plus de fièvre mais elle est pas dans son assiette. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous mets mon code promo pour Gilor, pour ceux qui veulent profiter de nos produits qui sont fabriqués en France et qui sont juste incroyables. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je me sèche les cheveux. Je vais peut-être faire des crêpes, hein. Déjà à midi je fais un chidé, c'est sûr. À midi je mets un burger et des frites et du coca. Mais je pense que je vais faire des crêpes. J'ai regardé la story de Laura et Laura m'a donné envie hier. Ça me fout la haine. Donc je vais faire ça. Préparée du coup pour aller à l'anniversaire. Mes cheveux ils ont quand même relativement poussé depuis que je les avais coupés avant de partir. Je les avais quand même bien coupés. Ils poussent vite, je crois que je vais les recouper encore. En fait, à chaque fois qu'ils arrivent là, je les recoupe là. Voilà, au moins c'est réglé, je passe mon temps à faire ça. Bref, tout à l'heure je regardais jusqu'où ils ont poussé. Tout ça c'est naturel dessous. Ma couleur naturelle c'est comme ça. Je serais comme ça si j'avais pas de blond. Voilà. C'est drôle. Bref, tout ça pour vous dire que je suis trop contente ce matin. J'ai booké également le voyage avec ma famille. Donc ça y est, je pars avec mon papa, ma maman et mon frère Logan. On va dans un pays, enfin dans un endroit que j'ai jamais fait. Donc je suis trop contente. Ça va être trop génial. Vraiment, j'ai hâte de voir ce nouveau pays. Donc c'est vers l'Asie. C'est un endroit que je n'ai pas fait, sachant que j'en ai fait quand même beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup, on a fait le Japon, la Thaïlande, beaucoup la Thaïlande, Bangkok, Champon, Koh Samui, Koh Phi Phi, Koh Phangan, etc. Voilà, donc c'est pas la Thaïlande. Il y a Bali aussi, j'ai déjà fait mon mari, je suis partie à Hong Kong, je suis partie aussi au Vietnam, je suis partie au Sri Lanka, je suis partie... je sais plus, beaucoup beaucoup d'endroits. Je sais pas si les Seychelles et les Maldives ça fait partie, je sais même plus de quel, comme c'est des îles, je sais plus de quel continent ça fait partie. Mais voilà, en Australie aussi, Darwin, Brisbane, j'ai fait vraiment beaucoup d'endroits, mais là c'est un nouvel endroit. Donc j'ai vraiment très hâte. Est-ce que vous avez une petite idée? Très hâte. Négro, je me sens comme un imprimeur. J'ai pensé au papier. Je regarde le rap français, je vois beaucoup de fausses Rolex et de fausses Cartier.